Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Comme vous le voyez à mon écran, le nouveau pack Roboreille est disponible sur Sauver le Monde. Je vous rappelle que dans ce pack, il y a un skin, 1000 V-Bucks, un sac à dos et des tickets. Et une grande nouveauté, c'est qu'avant, il nous mettait une arme pour sauver le monde, donc un schéma qui est uniquement utilisable pour sauver le monde. Sauf que cette fois-ci, ils l'ont remplacé par une pioche qui est utilisable également en Battle Royale, comme le skin, voilà, je le rappelle, puisqu'il y en a beaucoup qui posaient la question, est-ce que le skin est utilisable et la pioche? Ben, du coup, oui, vous avez le sac à dos dans le mode Battle Royale, le skin et la petite pioche. Les V-Bucks sont également disponibles pour le mode sauver le monde et le mode Battle Royale. Et ce pack coûte 16 euros. Donc là, on va le découvrir directement ensemble. Comme vous le voyez à mon écran, je l'ai déjà acheté. Donc récompense du pack Roboreille. Vous recevez bien entendu le skin Roboreille d'une rareté épique. Alors ça, c'est tout simplement pour le mode Sauver le Monde. Vous savez, dans Sauver le Monde, il y a des raretés au niveau des skins qui sont des héros, au niveau des armes, etc. Donc Roboreille, hors de la base, je dysfonctionne. Dysfonctionne, je marche pas bien. Roboreille, donc ça c'est la première chose qu'on obtient. Ensuite, on obtient les défis de Roboreille qui nous permettront d'obtenir les petits V-Bucks. Et on obtient avec ceci les différents équipements qu'on a avec le pack. Donc la pioche, le sac à dos, le skin. Bien entendu, comme d'habitude, je vous ferai le gameplay en fin de vidéo du skin. Je ne parlerai pas. Vous pourrez voir comme d'habitude comment le pack rend en jeu. Donc là, on se retrouve directement dans le casier et on peut voir juste ici le petit skin Roboreille qui est plutôt stylé pour ceux qui ne connaissent pas Ray. C'est la mascotte de Sauver le Monde. C'est un petit robot qui nous guide. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas trop l'histoire, c'est vrai que Ray fait plus partie de l'histoire de Sauver le Monde que de l'histoire d'Hubert. Donc voilà, on a la tête du robot. Donc de base, c'est uniquement sa petite tête qu'on voit dans Sauver le Monde qui nous aide. Et là, Epic Games a choisi de lui donner un corps, ce qui est plutôt pas mal. C'est un petit skin robotique pas trop moche, donc c'est un skin féminin. Vu que Ray est une fille, pour ceux qui ont suivi l'histoire de Sauver le Monde, vous le savez. Pour ceux qui viennent d'Uber, maintenant vous le serez. Et là, franchement, on peut voir qu'il est vraiment plutôt sympathique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce skin. Est-ce que vous le trouvez bien ou non? Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le skin dans les commentaires. Si vous le trouvez bien pour jouer en game normal ou bien pour tryhard avec ou non. Et si vous ne l'aimez pas, dites-nous également pourquoi dans les commentaires. Ensuite, on passe directement au petit sac à dos injecteur double lead. Donc là, pareil, c'est lié à l'histoire de Sauver le Monde. On a de la blue lead à récolter sur la map. Et là, on nous a fourni le petit sac à dos avec. Donc n'hésitez pas également à nous donner votre avis sur le petit sac. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce qui vous intéresse peut-être aussi également, c'est quand même la petite pioche qui est fournie avec, qui est le fracasseur de Ray, fracasse-les tous, fait partie de l'ensemble numéro 17. Donc là, on peut voir, c'est une petite pioche qui change de d'habitude et qui est plutôt stylée. On a un petit injecteur double lit juste ici. Donc ensuite, on passe à quelques petites informations importantes à savoir. Pour ceux qui jouent à Sauver le Monde, Ray est un ninja dans le mode Sauver le Monde. Voilà, vous avez ses compétences à gauche juste ici. Je vous laisserai aller checker. Il suffit d'aller dans votre collection et vous pouvez prévisualiser le héros. Ensuite, deuxième information pour ceux qui souhaiteraient savoir comment récupérer les V-Bucks, il vous suffit d'aller dans vos quêtes. Ensuite, ici, vous avez le pack de démarrage de Roboreille et on vous indique qu'il faut faire des quêtes quotidiennes pour débloquer vos V-Bucks, puisque oui, il faudra jouer à Sauver le Monde pour débloquer ces fameux 1000 V-Bucks. Donc là, on peut voir que Mine de la Machiniste, j'ai presque terminé. Alors, où est-ce que ça se passe, les quêtes quotidiennes? Vous les avez juste ici. Vous en avez une tous les jours qui apparaît. Vous pouvez cumuler au maximum 3 quêtes quotidiennes, sachant que vous en obtenez une tous les jours. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est dès que vous avez une quête quotidienne, vous la faites. Et comme ça, vous n'atteignez pas la limite qui est de 3 quêtes. Donc là, on peut voir que je ne les ai pas faites parce que je ne joue plus à Sauver le Monde. Mais il faudrait que je les fasse, puisque là, on peut voir que ça rapporte quand même des petits V-Bucks. Donc avec cette quête-ci, j'en gagne 50. Avec cette quête-là, j'en gagne 60. Et avec cette quête-ci, j'en gagne 50. Alors, si vous n'avez pas les V-Bucks et que vous avez uniquement l'or ou des lamas, pour ceux qui se posent la question, c'est que vous avez acheté le mode Sauver le Monde une fois que les packs fondateurs n'étaient plus disponibles. Donc là, vous avez juste à faire vos quêtes quotidiennes et on peut voir que à chaque palier atteint, vous allez gagner vos V-Bucks. Donc vous faites une quête quotidienne, vous gagnez 100 V-Bucks.
Vous faites 3 quêtes quotidiennes, vous gagnez 200 V-Bucks, etc. Donc là, 300, 400, et ça vous fera 1000 V-Bucks en tout, mais il faut absolument jouer. Du coup, les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous laisse avec le gameplay du skin, de comment il rend en jeu, avec le pack en entier, donc la pioche, le sac à dos, etc. Comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine!